Les incendies au nord de Port-Cartier n'ont toujours pas été maîtrisés par les pompiers. Les feux ont continué de progresser au cours des dernières heures. Et Alexandre, la qualité de l'air en paie le prix. Oui, la qualité de l'air s'est détériorée au cours des dernières heures, au cours de la nuit. D'ailleurs, Environnement Canada a émis un bulletin spécial. On suggère aux gens de limiter les activités extérieures. Depuis le début des feux, il y a 3 jours, c'est vraiment l'épisode de mauvaise qualité de l'air le plus intense. Donc, 2 incendies majeurs brûlent à environ 15 km au nord de Baie-Comeau. Ils sont toujours hors de contrôle. Hier, ils se dirigeaient vers le nord. Ça, c'est une bonne nouvelle en soi. Il y a une équipe de gestion des feux majeurs qui est maintenant mobilisée depuis hier à l'aéroport de Sept-Îles. Aujourd'hui, les effectifs vont atteindre 180 personnes, dont 120 pompiers volontaires qui ne peuvent malheureusement pas intervenir directement sur les 2 feux les plus préoccupants à cause de leur intensité. Alors, le combat se fait vraiment par les airs, avec des avions citernes, mais aussi avec de nombreux hélicoptères qui ont été mobilisés, qui se trouvent à l'aéroport de Sept-Îles. Ces 2 incendies au nord de Port-Cartier couvrent une superficie totale de 2000 hectares. Et il y a un autre incendie qui s'est ajouté, cette fois au nord de Sept-Îles, à l'ouest de la rivière Moisy. Voici une porte-parole de la SOPFEU. Aujourd'hui, on s'attend à des conditions similaires. Donc, toujours des incendies hors contrôle. Fait très beau, fait très chaud. Les vents encore de la même direction. Va prendre des avions citernes et de l'arrosage héliporté toute la journée sur les 2. Et notre priorité demeure la bordure sud des 2 incendies pour continuer à protéger et arrêter la progression vers les communautés. Et dans la foulée de ces incendies, Alexandre, on a dû procéder à une opération délicate de transfert des prisonniers. Une opération vraiment exceptionnelle, du jamais vu sur la Côte-Nord. On a évacué tout le pénitencier de Port-Cartier. Il est actuellement vide, même pas d'employés, à ce que nous disent les services correctionnels du Canada. Ça n'a pas passé inaperçu dans les petites municipalités de la Côte-Nord quand ces fourgons cellulaires accompagnés de forces policières ont traversé donc les différentes municipalités. Officiellement, les détenus ont été transférés dans différents établissements fédéraux, dont celui de Donnacona, près de Québec. Et je termine en vous disant qu'il y a eu une quarantaine de patients, surtout des personnes âgées vivant en CHSLD ou dans des milieux familiaux, qui ont été déplacés vers d'autres municipalités de la Côte-Nord, dont Baie-Comeau, compte tenu de la vulnérabilité de ces gens-là. Et les autorités feront le point dans un peu plus d'une heure ici à l'hôtel de ville de Port-Cartier au sujet de la situation. On vous rappelle qu'il y a encore 1000 personnes évacuées à Port-Cartier au nord de la rue 138. Oui, on sera en onde pour le point de presse à 13h30. Merci, Alexandre.